Mon père m'a dit que le docteur Kara, notre médecin local, était le médecin le plus performant. En fait, nous connaissions les deux médecins les plus performants de la région à l'époque. Et le docteur Kara était à la maison, il buvait du martini. Je me disais, merde, je vais faire ça moi aussi. Je vais boire du martini et je vais être James Bond. Et le docteur Kara est venu vers moi et il m'a dit, donne-moi un dollar. J'avais aussi un dollar. Il a dit, donne-moi ce dollar. J'ai dit, je te donnerai pas ce dollar. Mon père est intervenu et il a dit, ne rejette jamais un homme qui a du pouvoir. Ne rejette jamais un homme qui a du pouvoir. Ok ? Ne parle jamais mal à quelqu'un qui possède du pouvoir. Impose du pouvoir au pouvoir. C'est un bon investissement. Si vous prenez des notes, notez ceci. Impose du pouvoir au pouvoir. Les gens qui font de bonnes choses, les gens qui font la différence, les gens de cette catégorie, impose du pouvoir au pouvoir et ignore le reste du monde. Nous n'aidons pas les gens qui n'ont rien. Je vous le dis tout de suite, je n'aide pas les gens qui n'ont rien. J'aide les gens qui ont quelque chose et qui en désirent plus. Je ne parle pas d'argent pour l'instant. Si quelqu'un pense qu'il n'a rien, je ne vais pas aider cette personne. S'ils pensent qu'ils n'ont rien, je ne peux pas les aider. Si tu penses que tu as quelque chose et que tu n'es pas fauché, je peux t'aider. Parce que tu n'es pas fauché, ok ? Ce mensonge que tu répètes, je n'ai pas assez d'argent, tu as quelque chose, mec. Tu as de l'engagement, tu as de la créativité. Vous ne pouvez pas mettre en faillite un gars comme moi. On me le demande tout le temps. Mec, qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un prenait tout ton argent ? Personne va prendre tout mon argent. Ok ? Personne ne peut prendre tout mon argent. Personne n'a de si grandes idées. Tu peux pas voler tout mon argent, mec. Un voleur ne pense jamais aussi grand. C'est pour ça qu'il vole. Un voleur vole moins que ce qu'il pourrait en produire honnêtement. Mais si d'un coup je me retrouvais sans argent, qu'on m'ait tout volé, peu importe ce que ça représente, qu'est-ce qui me reste ? Je suis Grant Cardone, j'ai du courage, j'ai de la créativité. C'est ce qui compte. Je veux sortir de ce... quelle que soit cette chose, de cette boîte. J'ai du cran. Je veux être audacieux, d'accord ? Combien d'entre vous ont ces choses ? Combien d'entre vous ont du courage ? Combien d'entre vous ont de la créativité ? Combien d'entre vous ont du cran ? Combien d'entre vous ont des rêves ?